Et nous voilà à l'épisode 15 de False Guys. Les parties se suivent et se ressemblent, mais on n'arrive toujours pas à progresser. J'ai dû atteindre 4 fois, je crois, l'épreuve 4 et l'épreuve 5 qui est la finale, je l'ai atteint qu'une fois. Ça serait bien si je pouvais arriver à en faire une. Ah, tout le monde se met de mon côté. Aïe aïe aïe. Allez, fatigue sur le savon. Bon, on est tous tombés, hein. Ça l'a tué. On est tous pareils. Allez. Allez, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On sera mieux, ce sera. Allez, allez, allez. On pousse les portes. Bon, la porte est fermée, donc on ne ferme rien. Allez. Pareil, on prend les côtés, c'est pas mal. Bah, ça va le faire. C'est pas extraordinaire, mais bon, 19 sur 43, ça va. On est 60 en tout, hein, donc 19 ça va. Il y avait 43 qualifiés. Ça, c'est une épreuve que je passe facilement, donc on peut dire que ça, c'est la routine. Première épreuve passée. Allez, la deuxième. On espère que ça va être un petit peu mieux que les parties d'avant. Allez, ça tourne au hasard et ça va s'arrêter sur quelle épreuve? Grosse surprise, gros suspense. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de nouvelles épreuves. J'ai eu les queues, j'ai eu les œufs à mettre dans des paniers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les hélices. Bon, c'est un classique, mais c'est un classique que je réussis très bien. Donc, j'ai un bon espoir d'arriver à l'épreuve numéro 3. Si je fais pas de bêtises. Après, c'est une épreuve qui est longue. Faut être concentré. Je l'ai déjà raté, hein, donc faut pas se laisser aller. Allez, c'est parti. Je suis sur le côté. C'est pas le top, mais c'est pas grave. Allez. Ça sert à rien de sauter tout ce qu'il faut. Voilà, je me suis pris un mec qui s'est fait. Oh putain, foi de Dieu! J'ai reçu un mec! D'accord. Bon bah, moi qui parlais d'être concentré, c'est mal parti! On va se rattraper! On va se rattraper, il faut. Il y a du monde devant. C'est pas génial. Mais bon, il y a encore une grosse épreuve devant qui est pas simple. Donc, ouais, là c'est bien. Ça se passe bien. On va pas prendre le risque d'aller comme tout le monde au centre. C'est très très difficile. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, ouais, c'est mieux quand même quand on saute. Bon, là, j'ai plus le choix. Faut tenter le tout pour le tout. Aïe. Bon, c'est fini, c'est foutu. Ah, quoique. Quoique. Ah, bah tiens. Oh, le miracle. Alors, ça, c'est du miracle. 24 sur 29. J'ai eu chaud. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Parce que je me suis retrouvé beaucoup plus loin que là où j'étais quand je suis tombé. Donc gros coup de chance. Donc, on va dire coup de chance parce que franchement, ce qui s'est passé c'est bizarre. Parce qu'il y a eu un bug du jeu, je me suis retrouvé avancé de deux plateaux. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En fait, quand on touche un plateau, il considère qu'on est dessus. Donc j'ai dû être poussé, puis j'ai dû le toucher, puis il m'a placé dessus. Bon bah écoutez, tant mieux. Voilà. Épreuve numéro 3. Nous allons avoir. La mémorisation, donc celle-là elle est pas ça. Je peux la passer, je peux la passer. C'est pas simple, mais je peux la passer. Faut bien. Faut avoir de la mémoire. Allez. Alors, orange, pastèque. Orange, pastèque. Donc, moi je suis sur l'orange et devant. Moi je suis sur la pastèque et devant c'est l'orange. Enfin, c'est l'inverse. Là. Je suis sur la pastèque et devant c'est l'orange. Je suis sur la pastèque.
dans le doute, tant qu'on sait pas. Oh, le gars il a essayé de me pousser là. Oh le cochon. Alors, là j'ai deux oranges. Alors, là je suis sur la pastèque. Orange raisin. Orange raisin. Je suis sur la pastèque. J'ai suivi les autres, je savais pas du tout où c'était ça. J'ai fait orange raisin, j'ai pas du tout pensé. Alors là ici on a banane, je suis sur la banane. J'aime bien les bananes. Donc, en face j'ai cerise et la pêche ici. Là j'ai les quatre autour de moi. Cerise. Voilà. Il y a plein d'éliminés là, c'est bien. Yeah! Ouh. Épreuve numéro. Numéro quoi? 4? Je suis à la 4? Mais ouais! Je suis à l'épreuve numéro 4! Et on est 19. Donc il n'y aura pas de match en équipe parce qu'on est en nombre impair. Qu'est-ce qu'on va voir? Épreuve numéro 4, hein. C'est pas tous les jours que j'y arrive! Hein. La fête au bloc, évite les murs mobiles et ne tombe pas de la plateforme. Ah, c'est une sorte de Tetris. C'est la première fois que je la fais celle-là. Je l'ai déjà vue sur d'autres joueurs, mais moi en tant que joueur, je ne l'ai jamais faite. Donc, nouvelle épreuve. Le Tetris. Alors, faut pas être trop. Il y a des obstacles qui arrivent, il faut aller à gauche, à droite. Je sais pas de quel côté ils arrivent, c'est ça qui est gênant. Ok. Là, alors ça va aller de plus en plus vite. Le problème, c'est ceux qui vont nous gêner. Tiens, celui-là il m'a accroché, le cochon. C'est ça le problème, c'est ceux qui vous accrochent, qui s'amusent. Et là ça va de plus en plus vite. Faut pas être trop près parce qu'on les voit pas venir. Et l'inconvénient, c'est que si vous êtes trop près, vous êtes embarqué avec et vous pouvez plus en sortir. Voilà. Je vois qu'il y en a qui accrochent les autres joueurs. Oui, il m'a accroché là. Là, ça va être le problème, ça va être ça. Ça va être ceux qui s'amusent à décrocher les autres. Pour l'instant, personne n'a été éliminé. Ah oui, il faut sauter maintenant. Obstacle supplémentaire, il faut sauter. Il faut pas être auprès du bord parce que je pense qu'il y en a des petits malins qui vont profiter. Il y a eu que deux éliminés, mais maintenant je pense que ça va accélérer. Oh. Pour l'instant, je suis bien, mais. Non, c'est pas vrai. J'ai raté dans les touches. Bon, au moins, on n'ira pas en finale. Ah, puis il restait 5 secondes en plus. Oh bon sang, bon sang, bon sang. C'est bête, hein, c'est bête. Je pouvais le faire. Bon bah voilà, tant pis pour moi.